voilà, faut trouver des gens qui pourraient faire ça. Bon, le truc, c'est que si je me fais attraper en faisant ça, je trouve que c'est de la merde, quoi. Ah, puis tu vas être bon pour Citic, hein. Ouais, en plus, avec tout ce que j'ai sur le dos, ouais, c'est sûr. Bientôt le procureur, d'ailleurs, ça y est, tu t'es entraîné un petit peu? Ouais, j'ai ma défense, là. Tu veux que je te la fasse? Vas-y. Je suis désolé, monsieur, je suis désolé, bordel. J'ai pas fait exprès, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais vous savez, il y a tout le monde qui fait des erreurs, monsieur. Tout le monde. Et je me suis repenti. Voilà. Maintenant, je suis pas trop d'entreprise, maintenant, monsieur. Je vais arrêter les conneries, je vous jure. Je vous jure. Alors, t'en penses quoi? Ouais. Ouais, ouais. Faut que je pleure un peu plus, peut-être. Mais tu sais que, vu qu'en plus, tu sais qu'on est... Là, c'est un pays très catholique. Oui. Eh ben, tu dis que tu t'es fait posséder. Et là, ça marche à tous les coups. Oui, mais tu penses qu'ils vont pas m'enfermer après? Ah, c'est le risque, hein, par contre. Ouais, c'est bien ça le problème. Mais bon, t'iras pas en prison. Oui, mais après, si c'est une prison pour malade, c'est pareil, quoi. Oui, oui, bon. Bonne soirée, bonsoir, bruit d'avant. Au moins, t'auras à manger, t'auras un lit confortable, tu seras nourri, logé, caché, quoi. Et ah, tu veux qu'on la fasse quand, cette carte au trésor, du coup? Ah bah je sais pas, moi c'est toi qui... je sais pas. Mais moi je suis là quand tu veux, donc je m'en fous. Juste pas un lundi, parce qu'il y a la partie de poker. Oui, et puis faut qu'il y ait du monde. Ah bah non, parce que tu mets une pancarte, ouais. Bah c'est ça aussi, ouais. Je pense qu'on va commencer à 22h pour qu'il y ait du monde. Et pour prouver qu'ils aient trouvé, et ben... Bah non, mais t'inquiète pas, ça sera soit moi, soit toi qui sera dans la cabane derrière. Oui, mais comment tu veux... Ah, pour chaque... Non mais pour chaque indice, comment tu veux faire? Ils sont obligés d'avoir trouvé, comment tu veux qu'ils aient l'autre énigme? Ah oui, bah oui, je suis con. Ok, oui, ouais. Et en gros, il y aura soit toi, soit moi qui va expliquer. Et par contre, il en faut un pour donner la photo, donc dans le camp, tu vois. Oui, ok, ouais. Parce qu'il faut la donner quand même, la photo. Ouais. J'irai faire des affiches et je le mettrai sur une... Je peux dire, tu mets 300$, maman seigneur, t'as tout. Bah oui, il y aura tout le pays, et tout le pays, ça fera v'là de la pub pour tout nos business. Manolo. Voilà, et ben Manolo Williams, c'était ton le trésor de Manolo. Voilà, demande, ouais. Pedro, Diego, bah Diego, il y en a déjà un. Ah, Pedro, c'est pas mal. Encore plus loin, ou alors Pedro, c'est pas mal, non? Pedro ou Manolo? Manolo, j'aime bien. Ça fait bien gitan, quoi. Ouais, Manolo, ça fait bien ancien en plus, non? Oui, grave. Bon bah nickel. Donc c'est le trésor de Manolo. Donc c'est mon grand-père, c'est ça? Alors tu peux dire soit le trésor ou le secret, toi. Ah oui, c'est pas mal ça. Le secret de Manolo. Ouais, mais pour que les gens y viennent, faut bien qu'on mette qu'il a une valeur de 300$, non? The secret of Manolo. Ah oui, the secret of Manolo. Ah oui, c'est pas mal ça. Ah, ça fait bien. Ça va être génial. Ok, vas-y, là on est pas mal. Donc du coup, faudrait que tu nous fasses une affiche. Oui, bah oui. On la met pour quand, du coup? C'est quand qu'il y a le plus de monde? En vrai, c'est le samedi, dimanche, en vrai. Vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi, samedi ou dimanche à 22h. Tu choisis quoi? En samedi. Ouais, après il y a beaucoup de... Ouais, il y aura des apéros. Oui, mais 22h, ouais. Ça va, non? Ouais, 22, c'est bien. Bon alors, samedi 22h, ok, tu nous fais l'affiche et tout, et les gens, tu leur donnes rendez-vous ici? Alors, je dis RDV ici. Voilà, qu'est-ce que t'as besoin d'autre? 300 balles de cash prize. Ouais. Vous avez Secret of Manolo. Ouais, c'est parfait. Et après, moi, je m'occupe des panneaux, je m'occuperai de les mettre avant. C'est ça. Et il nous faudra juste qu'on soit nous deux présents, parce qu'il en faut un qui donne le trésor au gagnant. Et il en faut un qui donne la photo à la dernière étape. Je dis que c'est une carte au trésor, une chasse au trésor. Oui. Organisé par Monsieur Williams de... Bah nous tous, tu mets la famille. Ouais, par la famille Santana, par les Red Gypsies. Oui, voilà. Non, mais pas les Red Gypsies par contre. Ah bon? Bah oui, t'es con quoi, putain. Mais... Les Red Gypsies, c'est quand on fait du noir, quoi. Bah oui, t'es bien. Ah bon, bah par les Santana alors. Oh mon dieu, il a failli mettre les Red Gypsies sur la lance. Ah bah ça tombe bien, on les recherchait, on les a trouvés. Il y a le Nido qui vous cherchait tout à l'heure, un Nido pour se recruter, je sais pas d'où. Ouais.
Encore? Un autre? Ah mais le Niglo là, c'est qu'on a recruté aujourd'hui. Ah oui, il a besoin de toi pour du travail, le Joe. Ah, il voulait un travail, je pense que prends-le toi, moi j'ai assez d'employés pour le moment. Ouais, ouais, ok. Ouais, j'ai les coffres pleins, c'est déjà la merde, là, faut que je trouve d'autres clients. Et donc ouais, je vais faire ça, 300 balles de cash prize, 22h, samedi pro, Secret of Malao. Voilà, parfait, parfait, parfait. Et ouais, il faut que tu fasses la photo aussi, tu sais, de l'énigme. Ah oui, en noir et blanc. Tu la mets en noir et blanc et tu sais, tu la griffonnes un peu pour faire genre ces vieilles photos, tu vois. Je sais pas comment tu peux faire, mais. Ah, ok. J'ai même une idée, vois, comme si elle était un peu brûlée. Et si tu. Voilà, exactement. Et tu fais comme si c'était. Est-ce que tu peux la mettre sur un fond de parchemin ou pas? Pour vraiment faire ces vieux, tu vois. Parce que moi, en gros, après, je vais la mettre sur du papier. Et je vais la donner, tu vois, comme une affiche, quoi. Tu veux de l'aide pour les affiches? Oula, vous l'avez donné trop de whisky à ce monsieur encore. Il a monté, je crois, carrément. Écoute, il s'est servi lui-même, hein. Donc, Vous entendrez bien avec le médecin, je pense, monsieur. Ouais, moi. Oui, oui, vous. Il adore le whisky aussi, il finit dans les états comme vous un peu. Ah ouais. Il a l'hydromel. Non, c'est l'hydromel, moi. Ah, l'hydromel, pas mal. Bah, il a carrément vu un tonneau pour être défoncé avec un hydromel. Bah, c'était sûr. Bah. Oh bordel. Ça va, monsieur, vous êtes venu. Mais il est fort, notre hydromel, c'est pour ça. Ouais, il est fort. Donne-lui de l'eau. Hein. Ouais, c'est fort. Donc ça marche, le duo, t'as toutes les infos ou pas? Oh ouais, oh putain, mais... Oh non, bordel. Oh putain, bien joué. Oh, je vais devoir encore engager un autre gars qui passe le balai, putain, j'en ai marre. Il faut qu'il arrête. Oui. Le duo, tu vas arrêter d'attaquer ces gens-là, mec. Je vais relâcher. Sinon, j'enlève ton étape à ton champ de tabac. Mon champ de coton, dépêche-toi. Voilà, il est parti en courant. Voilà, au pire, tu les laisses partir en courant, c'est très bien, je préfère ça. Bah oui, il est parti travailler dans mon champ de tabac là. Voilà. Oui, enfin, d'habitude, tu les balances dans les chiottes, donc c'est pas mieux. Oui, mais bon, là, c'est de la manœuvre, je deviens un peu plus. Ah, c'est bien, moins c'est con. Bien. Parfait, parfait. Bon, alors moi, faut que j'aille voir. Enfin, faut que j'aille trouver Monsieur Emmett, je pense. Et. Enfin, peut-être que c'est un ami à lui, j'en sais rien. Il a fait fuir des gens. Oui, c'est pour ça. Ah ouais, Joe, oui. Tu peux dire que c'est sponsorisé par les entreprises rodiennes, quoi. Vu qu'on tient presque quasiment toutes les entreprises. Bah non, mais tu peux carrément mettre les noms des entreprises. Tu mets sponsorisé par la Gitane Industrie, par la Coton Industrie, par le Saloon Le Cirrose. Non, mais je crois que la Gitane Industrie, en fait, ça va devenir un groupe. Hein. Ah bah oui, bientôt, oui, bientôt. Pas tout de suite. La Gitane Industrie, ça doit comprendre le saloon, le coton, plus les... Bah c'est l'objectif final, oui, c'est l'objectif final. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on est organisé comme des pieds, donc Il connaît Jason. Ah putain, je sais pas pourquoi... Et t'es bon, papy, t'as un instinct de fou furieux, papy. Ah là 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 là, bah fallait nous le dire, monsieur, fallait nous le dire. Bah oui. Bon, j'attendais que vous me le guidez. Ah d'accord. Bah, on pouvait pas trop guider, on peut pas te guider, ouais, c'est compliqué. Ah ouais. Comment tu veux que tu te le dis, que c'est toi le dis, que c'est toi le pas, que c'est toi le dis? Moi je suis douté parce que vous avez la même force physique. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est vrai que s'il est aussi carré que lui. Bon bah nickel. Bon très bien. Et vous êtes du temps vous aussi? Ouais. Ah oui, faudrait que vous magnifique tout ça. Faudrait que vous discutiez un petit peu avec... C'est qui s'occupe de ça maintenant? Maman. Et bah avec la maman. Y'a personne pour le moment qui s'en occupe. Bah je pense qu'elle va arriver vers... Ouais. Elle va arriver vers 20h30. Elle va vers 20h30, 21h je pense. Ouais. Plus 21h. Vous cherchez du travail en attendant? Bon, non, pas pour l'instant. Très bien, très bien. Bah... Avec nos entreprises là. Mais du coup les affiches, faut faire quoi dans les affiches? Dans l'affiche, on vient d'en parler. Il faut que. Attends, t'étais pas là? Bah non, j'ai pas. Non, le Joe, est-ce que tu peux lui donner toutes les informations que t'as pour l'affiche? Oh putain. Ouais. Bah, de toute façon, là, moi, Dodo, je vais aller. Bah. En gros, on a dit que c'était le nom déjà, c'était quoi déjà? Les secrets de Manolo. The Secret of Manolo. Oui, The Secret of Manolo, voilà. Manolo? Oui, c'est mon grand-père. Il habitait là et il est parti acheter des clubs lui aussi. C'est une histoire de famille. Il n'arrive même plus à monter les escaliers, carrément. Et il n'est jamais revenu, du coup. Non, il n'est jamais revenu, il est mort ici, mon grand-père. Mais c'est ton grand-père ou ton père? C'est mon grand-père.
Bah, t'as dit ton père il y a deux secondes. Ah merde, bah, je suis désolé, je suis bourré aussi, moi. Ok. Ok, donc alors... les secrets de Manolo, et ensuite. Attends, il y a un truc qui me chagrine. Alors, c'est qui toi? Alors, comment ça se fait que. T'es pas un cousin alors? T'es un cousin éloigné? Bah oui, bah, je suis un cousin éloigné. Putain! Bah ouais, oh, c'est un cousin éloigné. C'est pour ça qu'on le rejette. Bah oui, c'est pour ça qu'on le rejette depuis le début. Bah oui, mais. T'as toujours pas compris? Le pauvre. Bah, sauf que quand vous allez trouver son trésor, il va être moins éloigné d'un coup. Oui, il va être déjà un peu plus proche. Ouais, mais nous, on participe pas, puisqu'on connaît où sont. Bah ouais. Bah oui, non, mais oui, vous participerez pas. Mais ça va être génial quand même, vous verrez. Ça va vous faire de la pub à toute notre entreprise. Des fruits, des légumes. Ah oui, tu veux être fermier, quoi. De la haute. Ah, tu es un fermier de la haute. Ah oui, c'est pas mal ça. Nouveau concept. Un jour, tu peux donc prendre ou pas, mon cousin? Ah oui, le duo. Ouais, ouais. Tu peux me prendre dans ton entreprise ou pas, s'il te plaît? Tu veux que je te prenne où là, tout de suite là? Bah vas-y, quand tu veux. Bah on va aller dans les latrines carrément, mais je vais te bouillir finalement. Vas-y. Je sais que l'entreprise. Bah oui, bah il veut que je le prenne tout de suite. Écoute, est-ce que t'as de la manger pour non, mais pour cousin, dans l'entreprise, le tout, dans l'entreprise. Ah, dans l'entreprise. Ah, oui. Bah, ouais. Bah, heureusement que t'as précisé, parce que là, il a dit t'avais de la place pour mon cousin. Enfin, ça voulait dire. Il commence à avoir le bon rouge. Physiquement parlant, c'est plus moi qui te plie comme un portefeuille que toi qui vas te plier. Hein. Oula. Ah, bah attends, tu m'as pas fait torturer, mon commandant. Oh, mais mon dieu, mais. Non, le jeu, il a acheté. Monsieur, levez-vous, ça va aller. Il va falloir qu'il se tienne un peu mieux devant la maman, parce que sinon la maman elle va pas le vouloir. Non, ça va aller. Il va falloir tenir debout, monsieur. Arrêtez de boire maintenant, je pense, ce serait mieux. Ouais, j'arrête. Oh bordel. Y'a plus de calas en trop là, bah tout le monde a donné ses calas. J'ai acheté tout le bordel là. Bah moi en soi j'en ai encore un. J'ai encore le mien. J'en ai deux, moi j'ai un âne aussi. Ouais, mais aussi j'ai un âne, j'ai pas le final. Oui, parce que, comment t'expliquer? Vous en avez pas besoin? Non, j'en ai pas besoin, mais bon, en fait, c'est... Et t'as pas acheté l'autre cheval encore, toi? C'est une punition, en fait, que maman m'a donné. Ah, mais moi j'aurais bien aimé, vas-y, je vous le donne. Ouais, enfin, tu verrais le nom de l'âne, ce serait moyen, quoi. Moi, j'arrive, mon caillou. Tu sais comment il s'appelle, l'âne? J'arrive, mon caillou. Attends, je pense qu'il y a avec, donc... Je suis introduit. Ouais, c'était vraiment une punition, je te l'ai jamais pas. Si, viens avec moi, je vais donner un magnifique cheval. Ah ouais. un cheval, ok. Ouais, bon bah nickel, ok, c'est parfait. Ouais, il m'a fait... Bon bah heureusement qu'il m'a dit samedi alors tout à l'heure le duo. Ah bah oui, parce que sinon j'aurais pas pu, personne aurait été là. Bon bah tant mieux, tant mieux. Oh mon dieu. Non mais là tu touches par terre là. Oh là là, là il est en train de gueuler. T'es en train de briser les reins directement. Il calme ma chance. Là il a plus de colonne à tes bras, c'est fini. Ton prénom il pleuve. Oh putain. Oh mon dieu. Oh bordel. Oh mon dieu. Présente ceci. Oh, bah mon cheval il va bouillir ton âme, Gaguette. Il est en train de bouillir là. Oh bordel. Mais tu vas user tes bottes si tu montes sur ça. Oh là, il a jamais autant morflé de sa vie. Ah, je te jure. Oh bordel. En fait, pour arrêter l'âne, eh ben, il se met debout. Et c'est ça, il freine avec ses pieds directement. Ah ouais, c'est génial. Je le reste, prends lui son âne. C'est génial. Mais bon, tu veux, il faut apprendre à freiner par contre. Hein. Tu poses tes pieds par terre. Regarde, pousse-toi de l'ouest, regarde. Attends, il est où? Allez, viens prendre ta PC. Il veut plus de toi, regarde, il veut plus de toi. Mais merde, je peux plus monter dessus. Ah, c'est bon. Ah bon? Il veut pas. Machin, oh, t'es mieux pas se lever. Tu le bourriquer directement? Merde. Non, t'as oublié, t'as bleu pas. Top. Oh les. Mais c'est vrai qu'en plus il crie moins quand c'est Dodo qui monte dessus. Ah ouais. Quand c'est Dizzy. Allez mon cousin, crame ton canasson directement. Oh bordel, bon bah allez moi je reviens. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, ça va et vous? Oui. Oui. Ah bah c'est mon employeur de tabac.
C'est Monsieur Joe. Oui, oui, je me suis un peu changé, oui. C'est moi. Rien. Et On est venu juste dire bonjour à c'est de la génial, maison. C'est génial, c'est génial. Ah oui, c'est vrai, vous l'avez acheté tout à l'heure, oui. Ah bah, disons que j'ai été bien escorté pour aller jusqu'à la maison. Dites-moi, madame Calisto, là, vu que... comment... vous faites beaucoup de bois, etc. Vous savez pas comment on fait des panneaux, par hasard? Ah, aucune idée. Ah, pourquoi vous voulez faire des panneaux? Oui, j'organise une chasse au trésor. D'accord. Alors, voilà. Moi, je peux vous conseiller de trouver des personnes qui servent de panneaux vivants. Oui, panneaux humains, vous savez. Oui, en gros, c'est ce que je veux faire, mais comment vous expliquer? En gros, je vais avoir une roue de secours au cas où les personnes que j'ai choisies me lâchent. Vous voyez? Ah, vous avez besoin de mon aide, peut-être? Bon, peu importe, peut-être pourquoi pas, si vous voulez. Mais après, j'ai pas envie de vous forcer à rester 2 heures au même endroit pour faire la personne, vous voyez? On va attendre... on va voir avec mon mari ce qu'il souhaite faire ce soir. On va aller l'équiper. Après, c'est, un peu c'est mieux. Pas pour ce soir, ça serait pour samedi prochain à 22h. Le samedi qui arrive là ou le samedi d'après? Non, le samedi qui arrive du coup. Samedi qui arrive, mon mari sera pas disponible, mais moi je serai disponible. Bah écoutez, pourquoi pas? Comme ça, je vous donnerai comme quelques dollars pour ça déjà. Oh, je fais pas ça pour ça, vous savez. Et ça puis, peut vous rendre service. Oui, bah de toute façon, il y a certains membres de ma famille qui vont faire avec moi aussi, hein. Mais c'est histoire de, voilà, si jamais on a un souci, qu'il y avait une personne qui était prévue à un endroit et qu'elle y est pas, et bah j'ai une solution de secours, quoi. Moi, je suis là à 3000%, sûr et certain. Bon, bah parfait, 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 parfait. Mais mon mari sera pas là, il va se reposer un petit peu. Ça marche, ça marche, ça marche. Et du coup, ce soir, quel est le programme pour vous? Acheter des bonnes armes pour mon mari. Ah oui, oui, c'est important, ça. Un bon pistolet, et puis après, essayer de voir au bureau... Je vais l'avoir gâté. Ah, mais c'est moi qui te gâte cette fois-ci, chacun son tour. Peut-être voir au niveau du bureau des shérifs, au niveau des chasseurs de primes, comment ça fonctionne. S'il faut une autorisation ou pas. Oui, je crois qu'il faut devenir shérif obligatoirement, oui. Ah oui? Carrément. Oui. Ah mince. Alors après, ça dépend, mais c'est pour les primes de, comment dire, de concitoyens ou de citoyens? C'est-à-dire? Parce que vous savez, à l'intérieur des bureaux de shérif, il y a des primes de concitoyens. Ça, on est obligé d'être shérif. D'accord. C'est un ami, non, bah, des petites primes. Non, les primes où il n'y a pas besoin. Ah, bah alors, c'est de, alors, des oui. Margoulins, là. Alors, par contre, si vous voyez des annonces faites par le gouvernement, par contre, là, si vous les attrapez, oui, là, vous pouvez, quoi. Vous leur ramenez, vous aurez une récompense. D'accord, ouais, c'est plus ça, alors, en attendant. Oui, voilà. Alors, après, est-ce qu'il y en a beaucoup pour le moment? Bah, moi, j'en ai vu qu'une seule, il me semble, d'affiche, c'était. Hier, je crois. Il me semble que c'était ça. Il y avait 4 personnes dessus, dont l'un de mes cousins, mais il avait payé son amende. Donc, vous voyez, oui, faut faire attention quand même. Hein. Ne leur tirez pas dessus, quoi. Faut les attraper, je pense, c'est mieux. Okay. Parce qu'il peut y avoir quelques mésententes, je pense, au début. Ah bon? Après, voilà. Quoi. C'est pas quelque chose de fait pour moi, du coup, si je comprends bien. Bah, alors après, ça dépend. Si vous allez demander au shérif avant et que vous êtes sûr que c'est un délinquant. Bah, je sais pas, après faut se renseigner, vous savez, moi je sais pas trop. En règle générale, c'est arrivé plus d'une fois que lorsque j'essaie d'attraper une personne et de le garder vivant, du coup je l'attrape par le cou, je le vais briser avec. Ah oui, okay. oui, bon après si c'est que ça, ça va. Ouais, je veux dire, ne l'allumez pas avec je sais pas quelle arme, alors que ça se trouve, il a payé son amende comme un citoyen lambda, quoi. Ah bon? Oui. Bah, enfin bon. Après, je pense que. Alors, je sais pas exactement si les shérifs de route sont déjà là. Mais sinon, j'ai un ami à moi qui est shérif. À mon avis, vous allez le trouver à Valentine. Il s'appelle Aaron. C'est un vieux monsieur, il est très sympa, il va vous expliquer. Enfin, s'il faut être shérif. Bah, je pense qu'il. Alors, moi, de sûr, c'est que pour attraper des concitoyens méchants. Oui, il faut être shérif. Mais après, pour les citoyens méchants, vous êtes pas obligé, non? Après, est-ce que vous avez le droit de leur tirer dessus? Est-ce que vous avez le droit de... Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que je pense que s'ils les veulent, c'est pour les amener à un jugement, quoi. D'abord. Parce que moi, le problème, c'est que je pensais qu'en faisant ça, je pourrais me servir d'arme à feu, ce dont je suis, on va dire, doué.
C'est possible, hein. Si on enlève la force. Bon. C'est peut-être possible selon la gravité des faits, vous voyez. Après, je peux pas vous le confirmer, quoi. Voilà. Pour moi, en tout cas, carrière shérif, c'est pas dans mes plans. Ou plutôt plus dans mes plans. D'accord. C'est plus chasseur de primes, quoi, du coup. Bon, c'est surtout que j'espérais trouver un travail qui correspondait un peu à... Comment dire, à mes talents, vous voyez. Oui, mais ça... que je comprends déjà pas trop bien votre langue, donc me servir de tête et un comprendre peu... ce que vous dites. Prison, protection, sécurité, escorte. Ça, on peut trouver, pas forcément en tant que chasseur de prix, vous savez. Bah, je sais pas, moi je viens d'arriver, j'ai pas les contacts. Bon, disons que. Moi, vous savez, dans la famille, voilà, on a aussi besoin de puissance de feu, quoi, de temps en temps. Ouais, en fait, il est en train de glisser discrètement qu'il voudrait bien qu'on rentre dans la famille, quoi. Le bois. Pour quel réseau, hein? Bah, disons que. Vous avez entendu parler des Mexicains de Valentine ou pas? Non. C'est normal, ils sont morts. La boire. Sauf que, avant de mourir, ils ont balancé des cocktails Molotov dans le saloon. Oui, j'étais là ce jour-là. Voilà. La boire. Donc vous voyez que y a des moments où on a besoin de défendre nos affaires, quoi. Vous comprenez? Bien sûr. Et pour ça, on paye bien. Donc si ça vous intéresse, moi, je peux pas vous recruter personnellement, parce que moi, je suis qu'un igloo, moi, dans la famille. Mais après, par contre, je peux vous faire rencontrer Mama, par exemple. Un quoi? Vous êtes un quoi, vous avez dit? Un igloo. Ça veut dire... Un igloo? Moi, je suis une merde. Je suis une merde, voilà. Un igloo, c'est quelqu'un qui commence en bas de l'échelle chez les gitans. Mais pourquoi ils se caractérisent d'igloo? Et si j'ai pas le choix, c'est eux qui me caractérisent comme ça. Ah. Moi, j'aurais le choix, monsieur, vous voulez que je vous dise? Moi, je serai le patron, voilà. Moi, je suis né pour être patron. Oui, mais enfin, avant d'être un grand chêne, on commence par être un petit gland. Voilà, exactement. Donc, pour l'instant, je suis vraiment un petit gland, quoi. Un tout petit. Ah, c'est très bien. Vous avez, comment dire, de votre langue. De l'ambition. Ambition. Ah oui, l'ambition et l'objectif. Bien sûr, ouais. Il est réaliste, voilà. Bien sûr. Il connaît ses compétences, il sait que pour l'instant, il faut commencer petit. Ouais, surtout que, pas le choix, pour quoi. Commencer, alors, évidemment... Qu'est-ce que tu me vouloir, toi? Bah, il y a un petit calage, quoi. Ah bon? Il va se prendre coup de tête s'il continue. Enfin bref, désolé. Ce qui est le plus important lorsqu'on veut devenir chef de quelque chose ou patron, c'est avoir le charisme, vous voyez? Savoir tenir la situation par Nahoui, comme on dit chez nous. Ah oui, vous trouvez que je suis pas de charisme, c'est ça? Absolument niet. Ah merde. C'est pas ce que j'avais dit. C'est pas ce que j'avais dit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir le montrer au bon moment. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord. De... Voilà. Donc, faites ce que vous voulez en attendant. Et puis... Moi j'ai un bon programme de prévu. Ah bah parfait. Ah bon. Et puis si vous voulez repasser vers 21h, j'organiserai une petite réunion avec la maman, y a pas de problème. Ça vous va? Bon, écoute, si ça va pour ma femme, moi ça me va. Oh bah non, c'est toi qui décides. Bah, tu sais très bien que pour moi, qu'importe ce que vous faites, hein, moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est mettre femme hors de danger, vous voyez? Donc si elle décide d'habiter là, si moi pouvoir aider à votre sécurité... Ah bah avec nous, okay. Elle aura pas de danger, hein, ça c'est sûr. De toute manière. Tout le pays nous respecte et tout le pays savent qui on est. Donc quand ils font quelque chose, ils le font en connaissance de cause, vous voyez. Deux, bien sûr. Et la cause en question, c'est comme le résultat qu'ont eu les Mexicains, quoi. Ça veut dire la tombe. Bien sûr. Donc normalement, il n'y a pas trop de soucis, non. Alors, ouais, bien parfait. Après, bon, ça arrive de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, vous voyez. Mais... Moi, je vois pas. Par exemple, la première fois qu'Alisto, t'étais bien au mauvais endroit, au mauvais moment, vu que les Mexicains, ils ont balancé des cocktails Molotov devant toi. Oui, mais enfin, je me suis caché. Ah, bah voilà, bah, il y aura pas de problème. Si elle sait bien se cacher, il y a pas de problème. Ah non, je...
Je me suis fait toute petite dans un coin, j'ai pas risqué ma vie non plus, tu sais. Oui, oui, mais je me doute bien, je me doute bien. Mais bon, disons que, voilà, quoi, ça peut arriver de... Voilà, être au mauvais endroit au mauvais moment, mais sinon, à part ça, il n'y a pas de danger. Voilà. C'est mon cousin ? Ah, t'es là, toi ? Putain, Eddie, avant que j'aille foutre le feu à l'écurie, est-ce que tu peux m'aider ? Bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut ? Écoute-moi, le trimmer, j'ai acheté deux sacoches, au t'enculé. Et j'arrive même pas à les installer sur mon canasson, ça... Je sens que je vais sortir le flingue et j'ai commencé à lui tirer dessus, trimmer. Il faut... T'arrives pas à trouver gérer comment? Attends. C'est tout en bas, c'est gérer. Normalement c'est gérer justement ton cheval quoi. Ou tu mets ta selle ou tu mets ta. Oui, voilà. Ah, j'ai les sacoches là. Avec ta sacoche. Ah, j'arrive vraiment pas, j'en ai acheté deux pour la peine. Ah putain, en fait tu dois sortir ton cheval. Au lieu d'acheter des équipements, tu prends ton cheval et là tu lui ajoutes des équipements. C'est un peu moins chiant. Tu veux que je vienne t'aider? Ouais, c'est à vrai. Ouais, t'es peut-être plus carré que moi, en fait, finalement. Ouais, non, mais... Les femmes, c'est toujours plus... Oui, c'est vrai. Vas-y, on en parle. Ça m'occupe, t'inquiète. Mais je crois qu'il le voulait maintenant, non? Oui, va aller courir. T'inquiète pas, je vais t'aider. Ouais, le monsieur, il cherche du travail avec une arme dans la main, apparemment. Qui? Quoi? Le mari de Callisto. Comment ça, il cherche du travail avec une arme dans la main? Bah... Il veut travailler avec son fusil, quoi. Hey, big boy. Ouais, bah, c'est bien. C'est-à-dire, travailler avec son fusil. Hey, sugar. Bah, travailler avec son fusil sans être shérif, quoi. How do you do, sir? Donc, de la protection, des missions, voilà, quoi. Et apparemment, il a de l'expérience, il a fait ça toute sa vie, il m'a dit. How you doing, friend? Oh, mais il veut travailler pour les shérifs ou pour les bandits? Bah justement, s'il veut pas être shérif, maman, et qu'il veut te parler, tu penses que c'est pour qui veut travailler? Ah, et bah c'est bien ça. Je vais remplir ma bouteille, j'arrive. Ouais. Donc bon, on boit comme ça. Mais ouais, ils me suivent, je sais pas pourquoi. Non, âge, profession. Ouais. Nombre de kilos. C'est lui le russe? Oui. Oh, putain. Dom, j'ai dit oui, le bonsoir. Et vous, Jason? Alors lui, c'est Elvis. Non, c'est Elvis, moi. Ah, d'accord. Je suis le fils de Carmen. Oula, il y a trop de fils, trop de cousins. Moi, je suis pas... Carmen, c'est la daronne. Bah oui. Mais elle a des fils et des cousins. Donc du coup, je... Bah non, elle a un fils et une fille. Elle a des neveux. Non, elle a deux enfants. Elle a deux enfants et des cousins, c'est tout. Voilà. Et un grand-père aussi. Okay. Hein? Et un tonton aussi. Tonton, ça c'est grand-tonton ça. Alors tonton ou grand-tonton? Bah, je suis frère de Joseph, moi, le frère du papy. Bah, du coup, c'est le frère de mon père. Oui, à Elvis, c'est son grand-tonton. Et moi, du coup, bah, c'est mon tonton. D'accord. Bah, c'est pas compliqué. Déjà que je comprends pas votre langue correctement. Vous m'avez perdu. Et vous avez tout un arbre généalogique. Et moi je suis un cousin, moi. Ah, il fait. Moi je dirais qu'il fait quand même pas très chaud. Mais la journée, pas moi, il fait 23-24. Et la carte au trésor, du coup, c'est celle du grand-père du cousin. Quoi? Non, rien, c'est tout. Mais non, il le pèse, non, il le pèse. Bon, ouais, chérie, il va falloir que. Ouais, t'as pas chaud comme ça? Noir? Bah, faut peut-être noter sur un petit carnet. Ah, ouais, la journée, tu vas avoir chaud, hein, tu vas transpirer. Hein, ah, bah. Je vais vous dessiner notre arbre généalogique, vous inquiétez pas. Moi, je me sentir bien dans ma tenue, hein. Ah, ouais, on devrait faire ça, ouais, on devrait l'afficher dans le salon. Je dis pas le compte là, mais tu vas avoir chaud. Hein. Tu vas transpirer. Ah, bah. Bah, ouais, Rose, là, oui. Mais moi, là, je vais aller enlever ma veste, moi. Moi, je trouve qu'il fait. Ouais, je pense. Si vous enlevez votre petite veste... Tout le monde refasse une tenue. D'ailleurs, monsieur, je vous ai pas demandé, mais vous fumez, monsieur? Deux. Oui, mais bah, vous savez, votre femme, elle a travaillé dans mes chambres. Bah, regardez, écoutez-moi ça. Regardez ce qu'elle fabrique, en réalité. Goûtez-moi ça. De le bêter. Messieurs.
Tiens, bah, voilà. Calisto, tu fumes toi? Non, je fume pas, moi. C'est vrai, t'es sûr? Ouais. Ça fait du bien au cœur, hein. C'est les médecins qui le disent. Ça fait du bien. Ça fait surtout mal au poumon, Billette. Bah non, vous êtes sûr? Regardez, ça fait du bien au cœur, normalement. C'est le tabac américain, je sais être ni à t'habituer. Oui, c'est vrai que ça tape un peu. Eh ben... Ce soir, je vais en distribuer à tout le monde. C'est pas du cigare de Pénéovitch, hein? Ah bah non. C'est du tabac gitan, voilà. Ah, ça, c'est sûr. Il y a un engrais spécifique. Un engrais spécifique? Bien sûr. J'espère que tu fais pas comme sur la tombe des Mexicains. Ah non, non, c'est pas le même. C'est surtout ça que j'ai fait. D'accord. Ah, tu me donnes ça, je te la tombe des Mexicains, comme ça, la tombe. Dans le cimetière de Rose, on va finir par avoir tous les ethnies. Ah, tu savais pas, toi, Elvis? C'est multiculturel. Ouais, tout va avoir des Mexicains, bientôt tout va avoir des Italiens. Dis donc, on va en avoir plein. Mais attends, Elvis, il est pas au courant, je crois. J'ai rien suivi, moi. Alors, je t'explique. En fait, un jour... Attends, on peut se... Bah non, on peut expliquer. Ah, t'inquiète. Oui, ouais. En gros, si tu veux, ils sont venus là. Quand on n'était pas là, mais il y avait Madame Calisto, du coup, qui était cachée dans un coin. Ils ont balancé des cocktails Molotov dans le saloon. Ah merde. Ensuite, on parle de Mexicains. Oui, oui. Ils ont voulu enchaîner. Ils ont voulu enchaîner par la bande de Rhodes. Sauf que ces cons, ils ont aussi balancé des cocktails Molotov sur les shérifs. Ah merde. Oui, du coup, les shérifs, ils les ont allumés, et puis ils ont fini dans le cimetière, du coup. Ah d'accord. Puis la dernière fois, j'y suis allé avec le Joe, et je sais pas, les plantes, elles étaient toutes bizarres, tu vois, donc je me suis dit, il manquait un peu d'engrais, tu vois. Ouais. Bah du coup, on a fait le travail. Il y a avec le Joe dans le cirque. Attention de tes chaussures, Joe. Pourquoi? Hop, attention, voilà. Ah oui. Ouais, me semble pas dessus, s'il te plaît. En tout cas, un très très beau cigare, je l'admettre. Ah bah voilà. Il commence à dire... D'ailleurs, parce qu'on avait un petit italien, il va avec son petit italien ou je sais pourquoi là. On s'adresse un peu tout le monde, lui. Mais ouais, d'ailleurs, la famille, ce soir, vous barrez pas, on va faire une petite visite à Saint-Denis. Petite démonstration. Et d'ailleurs, ma bâche, c'était... Bon. Oui, maman, je peux te parler ou pas rapidement, ça prend 30 secondes. Oui, bien sûr. Un peu loin, ok. Bah, c'est comme tu veux, en soi. Mais en fait, je sais pas, vu que je sais pas qui a le droit d'entendre ça. Bref, en gros, je suis sûr à 100% que les Italiens me suivent. Et tu m'avais dit ça. Ah, ok, bon bah c'est bon alors. Parce qu'en gros, je les ai cramés deux fois, j'ai cru à des coïncidences, parce qu'en vrai, c'était un peu possible, mais la troisième fois, c'est pas possible, vraiment. J'étais dans un coin perdu, donc je me suis retourné. Du coup... Il était pas masqué, même pas caché, enfin bref. Joe, oui. Tu vas devoir faire deux choses. Et cette fois-ci, il faut que tu m'écoutes, bordel de merde, s'il te plaît. Vas-y, dis-moi. Tu vas devoir te déplacer maintenant avec une personne en plus. Tu peux plus te balader tout seul. D'accord. Je peux prendre Elvis ou le Joe, j'avoue. Bien, tu prends qui tu veux, mais tu te balades pas tout seul, quoi. Même si c'est pas quelqu'un de la famille, tu te balades pas tout seul. Parce que ce soir, je voulais aller faire goûter des cigares à tout le pays, gratuitement. Et vu que c'est Elvis qui avait eu l'idée, bah, je voulais y aller avec lui. Bah, suivant le monde qu'on est, on va peut-être faire un petit tour à Saint-Denis, d'accord? Oui, mais c'est pareil, j'en profiterai pour donner des cigares en discrétion. Et on viendra tous avec tes cigares. Bah, parce que je pense que les Italiens te suivent pour t'enlever, d'accord? Oui, oui, bah peut-être. Ouais, j'aimerais éviter. Parce que s'ils te menacent de mort, ça m'emmerderait, tu vois. Disons, je m'étais fait une nouvelle tenue, mais je commençais à crever de faim, et après, bah, le tailleur, il avait oublié les vêtements que je lui avais dit de sélectionner, et du coup, j'ai arrêté. Combien de tenues tu te fais dans la journée? Mais je sais pas, j'ai deux tenues, moi. J'en ai que deux, des tenues, c'est bon. Non, mais ça enfin, j'en ai trois. Arrête. J'en ai une pour aller dans le grand différentes, Joe. Oh, moi, franchement, j'ai l'impression tout le temps. Non, celle-là, je l'ai déjà vue, c'est pas vrai, celle-là, j'ai déjà vue. Même il m'a demandé si c'était bien. J'ai tout le temps. Et d'ailleurs, t'avais celle que j'ai tout le temps. Mais t'avais pas dit que tu changeais la chemise d'ailleurs? Bah, les chemises, ça va. Joe, bah, je vais lancer les bottes. Truc. Oui. Bien. Bon, attends, moi je prends un B. Bon, j'en peux plus là. Je crois que je vais jamais avoir de petits enfants. Hein. Pourquoi? Ah, Dolores, apparemment, elle s'est mariée avec je sais pas qui. C'est quoi ce bordel? Non, mais il n'est pas là son mari, donc les petits-enfants, c'est mort. Et lui, j'ai l'impression que... Comment dire?
Ah, ils s'intéressent pas aux femmes. Par contre, il veut m'aider à en attraper une. Ouais, est-ce que tout vaut bien, comment dire comment dire, je sais pas si je vais demander à toi... Je pense pas que c'est une bonne idée. Mais vas-y, ça me fait plaisir qu'il me demande, vas-y. Non mais quand t'essaies de le faire, enfin toi, tu le poses des questions, hein, elle est pas mal, ça, si tu devrais aller la voir et tout. Ah, d'accord, tu veux savoir s'il est de la jaquette, en fait. Non, lui donne pas des conseils de drague. Parce que moi aussi je suis nul, donc bon, c'est pas très utile. Ouais, c'est pour ça, c'est la dernière fois j'ai dragué une femme, je me rappelle même plus de son prénom, bordel. Et voilà mon Joe. Et voilà le plus beau. T'as vu là, le gouvernement, ça y est, bon, là on va être riche, c'est bien. Bon, et bah du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on se déplace tous dans le pays. Y a Joe qui veut faire essayer ses cigares à tout le monde, et y a toi qui veut faire un truc, je sais pas quoi, non? Moi, c'est promouvoir l'entreprise pour près des armuriers pour faire les chiffons. Bah parfait. Bon, est-ce qu'on fait tous un tour dans le pays, comme ça, en même temps, tout le monde nous voit, on fait petite démonstration en même temps, quoi. Oui. Ouais, et d'ailleurs, tu voulais pas vider ta charrette avant? Oui. Ah si. Et ben viens, au pire, on sort chacun notre charrette, on le fait là devant, comme ça, dès qu'on part, et ben au cas où, Joe, il a plus le droit de se promener tout seul. D'ailleurs, personne d'entre vous, en fait. Il se fait suivre par les Shangri-La. Et à tous les coups, ils veulent l'enlever, ils attendent le bon moment. Ah ouais. Et je sens qu'ils cherchent des informations sur nous et ils vont nous chercher la merde. Donc j'aimerais bien qu'on aille chercher la merde avant eux. Après, je vous ai prévenu qu'ils nous mentaient déjà, donc bon. Sinon, on leur tend un piège. Non. On laisse Joe tout seul à un endroit, mais en fait, il est pas tout seul, on est planqué dans les forêts. Alors là, tu sais que c'est la chose la moins con qu'il a dit. Alors, Elvis, moi je suis d'accord. Mais attends, la dernière fois que vous êtes planqué, vous avez attendu 10 minutes et vous vouliez tous vous barrer. Non, moi je voulais rester, moi. Oui, et c'est les vrai. Les autres, ils m'ont pas écouté. C'est vrai, mais alors bon, que moi, je suis pas droit. Hein. En fait, pour les plans comme ça, je suis totalement d'accord, sauf qu'il va vous falloir vous armer un peu plus de patience, quoi. Parce que si on fait un plan de fou et que ça dure 10 minutes à chaque fois, ça sert à rien. Faut vraiment avoir de la chance. Je sais pas de quoi vous parlez, en fait. Mais quand je me suis planqué dans les roseaux, t'étais pas là. En gros, on a préparé tout un plan pour piéger ce qui allait arriver. On s'est placé, une fois qu'on était placé, ils ont attendu 10 minutes, ils en avaient déjà tous marre. Du coup, ils sont tous sortis. Mais non. Bien sûr que si, c'est ça qui s'est passé. Ensuite, moi j'ai pas envie de bouger, donc je reste. Et donc les Italiens, ils nous ont vus, en fait, à mon avis. Et quand tout le monde est parti, ils sont arrivés, moi j'étais encore dans les roseaux. Mais oui, y en a qui sont pas assez patients, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Ouais, on peut patienter un peu plus la prochaine fois. Moi qui dirais. Après, je comprends qu'ils veulent pas faire que ça, tu vois. Là, je comprends totalement, mais ce soir-là, on avait rien d'autre à faire, quoi. Ah, ce soir-là. Mais après, heureusement qu'on l'a pas attendu, parce qu'au final, ils étaient plus nombreux que nous, donc on aurait été comme des cons. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais au moins, on sait qu'ils y vont. Voilà, donc au final, on s'en est bien sortis. Bah après, je sais pas, parce qu'en vrai, on avait quand même un bon plan. Hein. Il y avait Diego qui était au loin, eux, ils sont tous rentrés comme des gogoles. Si on les attend à la sortie, ils peuvent rien faire. On en chopait un. Bah on les chopait juste un par un, on les chope. Ouais, dès qu'ils sortent, un coup de lasso, puis voilà, c'était terminé. Pas con. Bah oui. Ouais, coup de lasso, après, tout est, hein. Bah c'est ça. C'est juste que la dernière fois, on a attendu 10 minutes, et puis après, tout est parti, quoi. Ouais, ça va. Donc vous êtes avoir à boire et à manger si je vous vois pas. Tiens. Je vais donc charbonner un petit peu. Merci mon cousin. Après à boire, faudrait que tu ailles te prendre une petite gourde. Ok. Ah ok. Je sais plus, elle a combien la gourde de... J'ai bu. J'ai 5 dollars, je pense, comme ça. Mais tiens, goûte ça aussi, toi t'as pas goûté ça encore. Tu verras, ça fait du bien au cœur. Tiens. T'as eu les steaks? Ouais, merci mon cousin. Ah ouais. Ah c'est bien ça. Hein. Ça c'est bien de la gitane industrie, ça vient de chez nous ça. Ouais mais comment dire, choisis tes... Enfin je veux dire oui c'est bien. Oui je sais, faut choisir des clients, je sais. Ouais, des clients quoi. Oui mais il faut bien que, vu qu'il va peut-être pas faire partie de la famille, il faut bien qu'il sache qu'on va quand même. Ouais non mais en même temps tu t'entraînes. Hein, donc, voilà, je m'entraîne à la tenue là. Bien. Voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça va, ça coupe pas trop la gorge, ça va. Ça passe.
Ouais, c'est bien, c'est bien. Et alors, les médecins, ils ont raison ou pas? Ah, on voit que c'est bon pour la santé? Ouais. Voilà. Et bah, ça, tu vois, tu peux dire. Si les gens ils cherchent, bah, je sais pas, des cigares, des cigarettes, du tabac, des mentolés, des trucs comme ça, bah, tu peux dire que moi je suis spécialiste de la fumette. Et qui viennent me voir. Allez, ouais. J'ai racheté des allumettes, quoi. Moi j'en ai plein si j'avais. Ouais, file-moi deux, comme ça. File-moi deux, trois même. Alors, attends. Ah, ils t'ont eu droit, tiens, t'arrives. Ah, j'ai l'impression que tu arrives. Ah ouais, tu arrives. Oui, c'est beau. Mais non, mais en fait, c'est juste qu'il faut pas que je décide de donner avant, parce qu'après, ça me casse les couilles de revenir en arrière. Bon, ça fait quoi de bon, là? Vous allez faire quoi de bon, mes cousins? Ah ben là, faut qu'on aille, ce soir, faut qu'on aille faire un petit tour à Saint-Denis. Oui, on va de partout dans le pays, ce soir. Il faut se montrer. Oui, non, après. Mais d'abord, on va se montrer à Saint-Denis. D'accord. On va montrer qu'on est là, voilà. Donc là, on reste tous ensemble, je crois, d'après ce que j'ai compris. Ouais, parce que Joe, bref. Moi aussi, ou il faut je pourrais travailler? Bah, demande ouais, non, tu nous suis. Non, mais si t'as besoin un peu de liquide, moi je t'avance, y'a pas de problème. Tu veux te marave directement ou quoi? Bisoutage, je sais. Défends-toi, Lilo, défends-toi. Ah, t'es sûr? Attends, c'est parti. Oh là. Oh, bien défendu ça! Oh, là, bien contré! Oh là là, oh c'est là! Oh c'est là la pitié, c'est là! Oh le coup de coude! C'est autorisé les coups de coude? Hey now, let's just take it easy. Oh là là, oh le coup de genou! Oh là là, et puis il mettait pas de droite le niglo, hein! T'as vu ça, Elvis? Ouais, il a l'air de maîtriser. Right. Ouais, arrêtez-vous avant la fin. Oula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 l